Добрый вечер. Культурный центр «Франкотека» и «Le Quartier Français» — школа французского языка — приглашают вас на лекцию «Прорыв Марселя Дюшана в истории искусства». Лектор Эммануэль Сакше, французский сценограф, она училась в Высшей национальной школе декоративных и изящных искусств в Париже и Дижоне. Последние 20 лет она работает в качестве художника по декорациям и костюмам для различных шоу и спектаклей. В Париже, Будапеште, Москве ставила спектакли, основанные на сюжетах и из русской литературы. Цветаева, Лермонтов, Пушкин, Булгаков. Преподает театральное искусство в различных школах. Recording in progress. Тема лекции «Марсель Дюшан» и его прорыв, который он совершил. Разберемся, совершил ли он его. Его произведение «Ready Made», которое положило путь для, возможно, самых экстремальных подходов авангардистских в 20 веке. Bon. Ça y est, c'est complètement surréaliste, j'adore. Je pense que Marcel Duchamp, il aurait adoré. Bon, alors, donc je disais que les artistes, ils apprenaient chez les maîtres et quand ils avaient de la chance, ils ouvraient leur propre atelier et à leur tour, ils formaient la relève. En France, qu'est-ce qui se passe si on veut devenir un artiste? Eh bien, il y a une école qui arrive au début du XVIIe siècle, même au milieu, c'est la future école des Beaux-Arts, ça s'appelle une école ça s'appelle l'école des arts de sculpture et d'œuvres d'art, mais en fait c'est très très cloisonné parce qu'en fait c'est des gens très distincts. On apprend soit de la peinture, soit de la sculpture, on va recopier au Louvre les choses et on est soit dans le paysage, soit dans le portrait, soit dans la reconstitution historique, donc dans les choses très classiques et académiques. Un siècle plus tard, en 1766, il y a l'École des arts décoratifs, l'École nationale supérieure d'art décoratif, qui va s'ouvrir pour donner l'idée du beau à ses artisans. Alors attention, moi je vais toujours faire une parenthèse parce que les beaux-arts, le beau, le décoratif, ce sont des faux amis. Parce que justement, on va apprendre à ces gens à refuser le pittoresque et l'ornement au profit d'une démarche plus personnelle, tout aussi rigoureuse, mais plus personnelle. Et un siècle plus tard, en 1880, les femmes sont autorisées à passer le concours, donc j'en suis une heureuse élue de la fin du siècle dernier, déjà. Et justement, là-bas, j'avais assisté au cours, c'est comme ça que Marcel Duchamp est rentré dans ma vie, au cours de monsieur qui s'appelle Pierre Cabanne, et qui est l'auteur d'un livre, parce qu'il a eu la chance de rencontrer Pierre Cabanne, Marcel Duchamp, en 1967, un an avant qu'il meure. Donc j'ai absolument découvert et redécouvert Marcel Duchamp à travers ce personnage. Donc dans l'histoire de l'art, de l'Antiquité, depuis l'Antiquité, donc, on a des apprentis, on a des artisans, des artistes, on les appelle comme on veut, et ils ont œuvré pour l'histoire de l'art. Et j'aime bien faire l'espèce d'image, l'allégorie d'un collier de perles, parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, l'art contemporain peut énerver les gens, on n'a rien à comprendre, mais en fait, c'est pas si étranger à ce qui s'est passé avant. Et c'est comme un grand bijou où chaque perle, finalement, c'est une suite logique, en continuité ou en rupture, avec ce qui s'est passé avant. Donc chaque époque, finalement, a été l'artisan de sa propre perle, avant de devenir à son tour, devinez quoi, eh bien, un académisme. Donc, du coup, on peut penser à Monet et son déjeuner sur l'herbe avec le salon des refusés, où, en gros, tous ces gens qui ne veulent pas être dans un art officiel avaient la possibilité d'être dans d'autres cursus. Mais en gros, je pense à cet artiste, à Gertrude Stein, qui disait que pour être classique, il faut être mort. Donc, avant de mourir, Marcel Duchamp a laissé donc un énorme héritage. Et c'est dans le XXe siècle, finalement, où il y a eu le plus de ruptures. Dans celle majeure qui n'est de plus recopier la nature. Parce qu'avant, vous pouvez vous balader au Louvre, tout ce qu'on voit, c'est finalement que regarder ce qu'il y a autour de nous et copier ce que la nature nous donne. Donc, on ne la copie plus, mais on va l'interpréter. Et ça, ce sont les impressionnistes qui ont ouvert la voie. Ils ont eu cette idée folle, en tout cas cette possibilité, à partir du moment où ils ont réussi à faire rentrer de la peinture dans un tube,
Eh bien, ils ont pu quitter leur atelier et aller dehors. Et croyez-moi, au début, ils étaient pris vraiment pour des fous. Monet, Cézanne, qui chargeait son âne de tout son matériel pour aller peindre de loin une montagne, c'est tout dingue. Pourtant, ce sont tous ces gens qui ont créé les courants en isme qui sont aujourd'hui partie de notre patrimoine culturel. Et effectivement, on peut, à l'époque, quand on a vu un Cézanne qui peint d'une façon très anguleuse, et bien pourtant cet homme a donné naissance au cubisme. Van Gogh, avec ses dessins très torturés, a donné naissance à l'expressionnisme. Les grands aplats de peinture, de couleurs de Gauguin ont ouvert le fauvisme. Les petites taches de peinture de Seurat ont donné le pointillisme, et etc., etc. Il y a toujours un uberlu qui va faire quelque chose de nouveau et qui va être suivi après par des gens. Donc il y a énormément de courants après qui sont arrivés, tous ces ismes, effectivement, j'en parlais. Il y a le symbolisme, les nadis, le futurisme, le suprématisme, enfin vous les connaissez, hein, le constructivisme, Dada, le surréalisme. Tout le courant américain des années 50, l'action painting, l'expressionnisme abstrait, l'art brut, les nouveaux réalistes des années 60, le pop art, la nouvelle figuration, toutes les années 70 avec l'art minimal, l'art conceptuel, le land art, le body art, etc., etc. Alors, ils font toutes des choses très différentes, avec toujours une querelle incroyable entre ceux qui veulent être dans l'abstraction et ceux qui veulent être dans la figuration. Mais tous ont un point commun, c'est qu'ils s'affranchissent de la nature et que les moyens plastiques et la geste du peintre sont plus importants que l'imitation. Et il va y avoir introduction d'une nouvelle notion qui est le conceptuel. Et c'est là où notre homme, Marcel Duchamp, va entrer en ligne de course, parce que c'est son influence sur l'art contemporain, elle est immense, quoi. Et l'art contemporain, d'ailleurs, pour rappel, ça commence à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Tous les ismes qui font partie du modernisme, c'est jusqu'en 39-45, aussi incroyable que ça puisse paraître. La Deuxième Guerre mondiale a fait basculer la capitale culturelle européenne aux USA. Mais bon, c'est pas le sujet de ma conférence. Alors, je vais peut-être vous partager mon écran avec une première photo un petit peu provoque, entre guillemets, puisque c'est je fais une espèce de parallèle entre Picasso et puis Marcel Duchamp. Alors, ils ne se connaissaient pas vraiment les deux, ils ne s'appréciaient pas plus que ça, ils sont plutôt ignorés, en fait. Mais Picasso, qui a survécu à Duchamp, a dit à sa mort « he was wrong », il avait tort. Donc d'où l'affiche de cette exposition des années 2000, assez drôle. Mais donc, c'est qui ce super-héros ? Bah, le voilà, le beau Marcel, donc un homme plutôt classique de son temps, mais on voit tout de suite qu'il est assez original. Et dans les années 60, c'est pourtant un homme qui est considéré comme l'artiste le plus important du XXe siècle. Et André Breton dira que c'est le plus intelligent même. Et par sa démarche il y a 100 ans, attendez, je ne sais pas si vous me voyez, mais par sa démarche il y a 100 ans, en fait, il a posé les fondements de l'art contemporain. Parce qu'il se pose une autre question, une deuxième question. Il se demande, mais qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art ? Il s'est déjà posé la question, qu'est-ce que c'est qu'un artiste ? Et là, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art ? Mais parce que pour lui, la réponse est claire, c'est un mirage, c'est une escroquerie. C'est quelque chose qu'il appelle l'art rétinien, c'est-à-dire juste quelque chose qui n'existe que par l'œil du regardeur. Il dit d'ailleurs que c'est le regardeur qui fait l'œil, qui fait l'œuvre, donc c'est le public, et que c'est juste quelque chose qui fait plaisir à l'œil. Donc, pour lui, l'idée de l'œuvre, il a décrété qu'elle était plus importante que l'œuvre elle-même. Et ça peut vous paraître facile à dire aujourd'hui, mais à l'époque, c'est une révolution. Parce qu'on ne jugeait une œuvre d'art qu'à partir du travail dispensé. Et là, lui, il va essayer de gommer la main de l'artiste, de gommer le fer. C'est vraiment une bombe artistique. Et pendant des années, il va y avoir une influence, mais plutôt à retardement. En fait, on va en voir les effets à plus long terme. Mais comment il a fait, finalement ? Parce qu'en plus, c'est un homme qui est très discret.
Il a assez peu produit, des œuvres en plus complètement hermétiques, complètement complexes, et qu'il n'a pas vendu, il n'a pas fait d'exposition, donc on pourrait se demander pourquoi il est devenu si important. Parce que, en plus, ses moyens d'expression étaient très hétérogènes. Il a dessiné, il a peint, il a fait des objets qui étaient non sculptés, des installations plastiques. Mais en revanche, il était intéressé par six thèmes qui étaient récurrents. Le premier, c'était donc, je viens de vous le dire, la mise en question de l'art. C'était de la représentation de l'art. Le deuxième, c'est son intérêt pour le mouvement. Au début du siècle, les futuristes avaient fait une grande étude justement sur le mouvement, et ça va pas non plus sans l'industrialisation du monde, sans la Première Guerre mondiale, etc. Il s'intéresse au mouvement de Jules-Étienne Marais, les études de la rotation, de la machine, tout ça. Il s'intéresse troisièmement au texte, au fait de prendre des notes, au fait d'écrire des titres, au fait de faire des jeux de mots. Il a un grand, grand sens de l'humour. Quatrièmement, il travaille beaucoup avec les fausses identités. Il a eu énormément de surnoms, de pseudonymes, de Richard Muth jusqu'à Ross et Lavie, en passant par Marchand du sel. Cinquièmement, très récurrent, l'érotisme. Alors, il s'intéresse beaucoup à la nudité, aux fantasmes sexuels, aux fantasmes sexuels, aux machines symboliques. Et enfin, à l'autoréférenciation, c'est-à-dire aux multiples. Il va aimer reproduire ses propres œuvres. Alors, donc, comment il a fait, puisque je vous dis qu'en gros, il fait rien. Comment il a fait inventer ça plus que les autres? Alors, il a détourné des objets. Je vais vous montrer ce qu'il a fait, parce que c'est complètement incroyable. Il va juste dans un. Attendez, je retrouve. Voilà. Il va dans des magasins. Il va acheter des objets manufacturés. Il va juste les signer et les exposer. Et à partir du moment où ils sont exposés dans un lieu sacralisé, eh ben, c'est comme si c'était devenu une œuvre d'art. En fait, c'est une attitude qui ne permet pas de classer Marcel Duchamp dans aucun courant qui est autour de lui, parce que là, en ce moment, on est en plein cubisme, en plein futurisme, en plein dada, en surréalisme à la limite, mais lui-même veut s'exclure de tous ces courants-là. Il ne veut pas d'étiquette. Il refuse d'ailleurs de participer au salon de dada organisé par Tristan Tzara en 1922, parce qu'il veut garder son indépendance. Et pourquoi c'est important ces objets que vous voyez là? Parce que plus que des objets, c'est son attitude qui a ouvert les portes. C'est un homme terriblement libre. Et sa liberté va inspirer et continue d'inspirer les gens, en fait, aujourd'hui. On peut dire qu'il a été précurseur du néo-dadaïsme, de l'art optique, du pop art, du cinétisme, de l'art minimal, de l'art conceptuel, de l'art corporel, du body art, du happening, des fluxus, des installations des années 80, etc. On va vérifier pourquoi dans les photos qui vont suivre, dans la conférence, mais aussi avant de, je voudrais parler quand même de là d'où il vient. Alors, il est né en 1887. En Normandie, c'est un petit Normand, on le voit là au milieu, c'est lui au milieu avec ses deux frères. Il est le contraire d'un artiste maudit, mais alors absolument le contraire d'un héros romantique, puisque c'est un petit bourgeois de province qui est cultivé, qui est dandy, et qui est très courtois. Il est fils d'un notaire, il est le troisième enfant d'une famille de sept où tout va bien. Enfin, quand même, sur les sept enfants, il y en aura quatre qui sont artistes. Les deux qu'on voit là, Gaston Duchamp, qui deviendra le peintre Jacques Villon, et Raymond Duchamp-Villon, qui lui sera sculpteur, et puis sa sœur, qu'il aime beaucoup, Suzanne, qui sera peintre. Alors, il vit même une vie absolument agréable et paisible. D'ailleurs, il dira qu'il a une vie absolument merveilleuse. Pour une fois qu'on entend ça, bon, faut peut-être en profiter. Alors, voilà, ça c'est une de ses premières tableaux. Il a 15 ans, on est en été 1902, il ne jure que par Monet, et d'ailleurs il obtient au baccalauréat le premier prix de dessin. Alors voilà, il prend les pas des autres, il veut s'installer à Paris.
Donc j'aimerais bien être vous revoir à nouveau. Donc déjà, je remets le partage en pause. Voilà. Et à 17 ans, il décide d'aller à Paris, d'accord, avec l'accord de ses parents. Il va s'installer chez ses frères et à Montmartre, évidemment, c'est là où il rencontre tous les artistes. Et il veut devenir artiste. C'est pas qu'il veut devenir artiste, mais il veut peindre, il veut dessiner. Alors il va aller à l'Académie Julien, mais il va n'y rester qu'un an parce qu'il est rebuté absolument par les cours théoriques des gens. Il va se présenter au concours des Beaux-Arts, évidemment, il va l'échouer. Donc, il décide d'être autodidacte et puis de faire par lui-même. Alors, il ne va pas arrêter de dessiner et de peindre, de copier les gens. Il va apprendre, enfin, depuis tout petit, il joue aux échecs. Et c'est un formidable genre d'échecs. Donc, il va jouer beaucoup aux échecs et au billard avec Juan Gris. Et il va fréquenter les ateliers humoristiques. Les cabarets, je veux dire, les cabarets humoristiques. D'ailleurs, ça lui donne l'idée de faire des caricatures et il va participer à des salons parce qu'il se posait la question peut-être de devenir humoriste ou peintre, il savait pas. Alors il a eu son premier public au Palais des Glaces, au Salon des Humoristes. On peut pas dire qu'il ait eu un grand succès, mais par contre il a quand même publié une vingtaine de dessins dans les journaux. Et en 1908, il a exposé, il commence à exposer ses premières peintures au Salon d'automne, hein, que vous connaissez, au Grand Palais. Et l'année suivante, au Salon des Indépendants, à l'Orangerie. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le Salon des Indépendants, si vous en avez entendu parler, parce que figurez-vous que ça existe toujours. Ça a été inventé en 1884, c'était un petit peu inventé, c'est comme le Salon du Refusé qui avait été inventé en 1863, parce qu'à l'époque, les gens qui n'arrivaient pas à être dans les institutions, parce que les jurés d'entrée étaient absolument draconiens, c'est Napoléon III, c'est l'empereur qui avait décidé d'ouvrir un deuxième salon, entre guillemets. Il y avait toujours un jury, mais beaucoup plus souple. C'était poussé par Viollet-le-Duc, qui voulait un art beaucoup plus moderne à l'époque, et puis un petit peu moins dans l'art officiel, on va dire, qui avait inventé ça. Et donc, le Salon des Indépendants, c'était organisé, et ça existe toujours. J'y suis allée cette année pour la première fois. Alors, c'est terrible, je vais être, je ne sais pas, un vieux truc ou j'en sais rien, mais j'ai trouvé ça tellement convenu. Je n'ai rien trouvé d'original de ce qui pourrait faire le futur de plus tard. Mais bon, j'espère que je ne suis pas devenue si vieille ou alors que tout simplement, ben voilà, c'était pas bon à 90%. Quoi. Mais revenons à Marcel Duchamp, parce que lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Quelque chose de bien avec ses frères, parce qu'il va rentrer dans une... Il va être invité dans une communauté d'artistes à Puteau, où il va devenir ami avec Francis Picabia. Alors là, il va faire beaucoup, beaucoup de recherches. Je vais de nouveau vous montrer des images, c'est plus important que de montrer ma tête. Je crois que vous me voyez en même temps. Alors, il va beaucoup, beaucoup peindre. Alors là, on voit que c'est quand même un peu des styles, il mélange un peu l'impressionnisme, le fauvisme, le cubisme, le symbolisme. Il fait des études de nu. Là, on voit, c'est vraiment la fusion entre le cubisme et le futurisme. Là, ça date de 1911, des joueurs d'échecs. Et cette œuvre-là, celle-ci, qui s'appelle Le Printemps, jeune homme et jeune femme dans le printemps, elle date de 1911. Et c'est une huile sur toile. Et on peut dire que c'est la première toile vraiment personnelle de Marcel Duchamp. Il a 24 ans. Donc, je trouve ça déjà très, très, très intéressant parce que passer de ça à ça, on peut se demander qui il est, le bonhomme. Il va s'intéresser, donc, comme je le disais, aux recherches sur le mouvement, sur la chronophotographie de Jules-Étienne Marais, le fameux nu descendant de l'escalier qu'il va peindre plus tard, a été inspiré par cette photo de Man Ray. Il est l'ami de Man Ray. Donc voilà, c'est lui, c'est notre homme. Ça, c'est une reconstitution qu'il a faite plus tard. Mais ça lui a donné l'idée de faire ça, une de ses premières peintures très importantes. Et il va faire, voilà, le nu descendant l'escalier.
Et il va le proposer au Salon des Indépendants, celui dont je viens de parler, en 1912. Et devinez ce qui lui est arrivé? Eh bien, il a été refusé, ce qui est complètement incroyable parce que ce sont ses amis qui sont aussi au jury. Donc, il est complètement blessé, il remet en cause le système, il remet en cause sa carrière et donc il va un petit peu aller voir ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voyager, attendez, je vais essayer d'arrêter le partage. Il va voyager, il va s'intéresser à l'avant-garde à Munich, il va voir des expositions, il participe à des lectures, il rencontre Alfred Jarry, Raymond Roussel, Kandinsky, enfin tous les gens importants de l'époque, et il se proclame anarchiste. Non pas anarchiste, mais anarchiste. Donc le contraire d'un artiste, on peut dire. C'est quelqu'un qui, à force de ne pas vouloir rentrer dans un moule, qui s'échappe, qui s'esquive, qui... C'est pas qu'il est indifférent, mais il est juste détaché. Je pense que c'était un drôle de personnage, peut-être qui devait rebuter finalement. Il a horreur des passions, par exemple. Bon, c'est pas l'artiste Body dont on peut imaginer. Il a une revendication, par contre, qui est certaine et qui est très, très originale pour l'époque, c'est qu'il revendique le droit à la paresse. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé, mais quelque part dans son coin. Et c'est quelqu'un qui veut se libérer de toutes les obligations sociales. Il a choisi d'avoir plusieurs métiers, ou alors d'en avoir aucun, je ne sais pas comment dire ça, parce qu'il a été à la fois bibliothécaire, il a été inventeur, il a été graveur, il a été professeur de langue, il a été joueur d'échecs professionnel. Figurez-vous qu'il était dans l'équipe de France de jeux d'échecs. Il a été étalagiste, il a été vendeur de camembert, bref, un drôle de personnage. D'ailleurs, quand il était bibliothécaire, il a dit clairement qu'il avait choisi de travailler pour quelque part avoir une espèce d'excuse sociale. C'était comme une décision pour arrêter de faire parler les gens et qu'il puisse continuer à travailler de son côté. Alors, il se libère aussi des obligations familiales, puisqu'il décide de ne pas avoir d'enfants et a priori de pas se marier. Il se libère des obligations artistiques parce qu'il est en dehors du marché de l'art. Et vous allez me dire comment il fait pour vivre, parce qu'il se détache aussi des obligations matérielles, mais figurez-vous, en fait, il va avoir des mécènes et il va vivre aussi. Grâce aux femmes, en fait, je ne sais pas si on dit au crochet des femmes, mais en tout cas, voilà, c'était son originalité, quelque part. Alors, il se passe une bonne nouvelle pour le groupe de Puteaux, qui suit toujours ses amis, là, les artistes, en 1913, donc juste un peu avant la guerre. Ils sont invités à une énorme exposition à New York. Je vais vous montrer la photo, c'est l'Armory Show. Alors, l'Armory Show, c'est une exposition qui a eu lieu. Attendez, je ne retrouve jamais où est-ce que c'est. Voilà. Voilà, il va montrer. Donc, ça, c'est le nu descendant l'escalier. Voilà, c'est les photos qu'il va montrer. Voilà. Il va montrer ces photos cubistes parce qu'ils sont invités, toute cette bande d'artistes, pour représenter l'avant-garde européenne. Ils sont exposés entre la fin des modernistes du siècle dernier, dans tous les ismes dont on parlait, et puis la peinture américaine. Donc, il va exposer des toiles d'influence cubique, on a quatre, et il va exposer la deuxième version de son nu descendant l'escalier. Donc, je vous remonte la première. Clac, clac. Donc celle-là, elle avait été refusée. Somme toute, finalement, où on peut encore reconnaître un personnage, et celle-ci qui va encore plus loin, eh bien, elle choque les Américains, mais alors elle provoque un scandale, mais en même temps un enthousiasme inouï. Il vend, et ça c'est quand même quelque chose d'incroyable, parce que dans la foulée, il va exposer dans d'autres galeries, et son œuvre plaît au microcosme artistique américain. Et bon, évidemment, on le prend pour un peintre cubiste, mais en fait, il va, avec ses copains Picabia, etc., dire que finalement, l'avant-garde, le futur, le potentiel, eh bien, ce sont les États-Unis. Il leur a dit, mais regardez vos ponts, vos voitures, vos femmes, le potentiel, c'est ici.
Franchement, effectivement, c'est un original. Là, on voit, bah, il s'est rasé la tête avec, pour faire une photo avec Man Ray. Donc, il est là toujours avec, avec sa pipe. Il lui arrive une très bonne nouvelle en 1914. Il a eu vraiment du nez de la prémonition. C'est que juste avant la Première Guerre mondiale, il est réformé de l'armée. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déménager. Il va aller vivre au printemps 1915 à New York. Et où il va entretenir là-bas toujours des liens forts avec Francis Picabia et puis Man Ray. Ils vont fonder une revue. Et là-bas, il va vivre grâce à un mécène qui s'appelle Arensberg, Walter Arensberg. Arensberg, donc c'est un couple qui est très important dans sa vie parce qu'ils vont lui fournir un atelier, ils vont lui fournir finalement tout un réseau d'artistes. Et jusqu'à sa mort, ils vont être à ses côtés. Et qui vont, ils vont d'ailleurs même l'aider à entrer dans les institutions finalement. Alors, qu'est-ce qu'il fait là-bas aux États-Unis? Eh bien, figurez-vous qu'il s'écarte de la peinture. En 1913-1915, il se pose une autre question, vous allez me dire encore une. Peut-on faire des œuvres d'art qui ne soient pas d'art? Donc, il va encore plus loin. Je vous rappelle la première. Qu'est-ce qu'un artiste? Qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Et maintenant, peut-on faire une œuvre d'art qui ne soit pas d'art? Alors, ça, c'est vraiment très particulier parce que c'est toute son, c'est toute sa particularité. Parce que, en fait, il trouve des réponses dans un genre très particulier, qui va s'appeler le ready-made. Le ready-made, donc c'est la principale contribution de Marcel Duchamp à l'art du XXe siècle. C'est un terme qu'il a inventé, hein, c'est de l'anglais qu'il a utilisé en 1916 pour la première fois pour parler de ses premières œuvres depuis 1913. Et sa définition, à lui, c'est un ready-made, c'est une œuvre d'art qui n'a pas besoin d'artiste pour être réalisée. Ce sont des objets qui sont basés absolument sur une indifférence visuelle en même temps que sur une absence totale de bon ou de mauvais goût. J'ai peut-être une question. Attendez, je vais arrêter le partage. Ah, c'est quelqu'un qui est d'accord. Et donc, du coup, ces objets, c'est incroyable parce que, par exemple, il va dans un magasin dans une quincaillerie à New York, il va acheter une pelle à neige et dessus, il va marquer en avant du bras cassé. Donc, il s'imagine que la personne va se casser un bras quand il va s'en servir. Il va s'acheter un peigne et dessus, il va graver le nom, la date, l'heure, le lieu où il l'a acheté. Alors, ce n'est pas fait pour être vendu, hein, c'est quelque chose qu'il fait pour lui. Alors, je vais vous montrer le comble de l'injustifiable, de l'inutilité, de l'inesthétique avec justement ce premier, un des premiers, enfin celui qui a fait vraiment le plus parler de lui, de ready-made, c'est ça. Voilà. C'est la fameuse roue de bicyclette. Donc, il faut faire une différenciation entre ces ready-made. Il y a des ready-made normaux et des ready-made assistés. Assisté, ça veut dire qu'il y a une transformation sommaire. Donc là, il y en a une. Il a fixé une roue de bicyclette à l'envers sur un tabouret de cuisine et il va leur donner un titre, une date et bien évidemment les signer. Et c'est très très sommaire hein, ce qu'il fait. Hein. Généralement, soit il les retourne, soit il les suspend, soit il les fixe au sol, au mur, sur un socle. Et l'idée, c'est de les mettre dans un endroit, dans un lieu culturel où le statut d'œuvre d'art pourra leur être conféré. Donc, en gros, il choisit un objet, il le signe, il l'installe. Donc, choisir, signer, installer, c'est le propre des ready-made de Marcel Duchamp. Je vais vous en montrer. Ah là, oui, ça c'est hyper important parce que qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là du côté de Picasso? Il est en train de faire cette nature morte à la chaise cannée. Hein. C'est complètement probablement incroyable. Alors ça, par exemple, donc c'est une réédition, hein, parce que le premier original, il a été perdu. C'était celui avant d'aller aux États-Unis. Il est allé au BHV, s'acheter un porte-bouteille. Il avait signé, tout simplement. Et c'était une œuvre d'art. Alors ça, c'est un porte-chapeau.
Donc, il est juste suspendu. Et ça, je pense que tout le monde doit le connaître, c'est le fameux urinoir. Évidemment que ce n'est pas un urinoir. Vous voyez d'ailleurs qu'il est à l'envers, hein. Ce n'est pas comme ça qu'on le voit. D'un seul coup, il a une autre tête. C'est d'ailleurs pour moi incroyable parce que pour moi, un urinoir, ça, cette tête-là, il va la signer. Et donc, vous voyez, 1917, hein, on est en pleine guerre. Il y a quand même un dingue qui va s'acheter un urinoir et le signer. Je vous parlais d'une revendication. Qu'est-ce qui va arriver à cet urinoir? Mais c'est absolument génial parce qu'il a fait couler beaucoup d'encre, à défaut d'autre chose. C'est parce qu'il l'a présenté anonymement dans une exposition c'était la Société des artistes indépendants de New York, où tous ses amis sont au jury, et lui-même d'ailleurs aussi. Chaque artiste paye 6 dollars de droit d'entrée pour avoir le droit de montrer ses choses. Eh bien, incroyable, il va être refusé. Et ben voilà, parce que les gens croient que c'est une blague, on dit que c'est immoral, que c'est vulgaire, que c'est un plagiat, enfin bref, que ça n'a pas d'originalité. Alors là, évidemment, il est énervé, il démissionne de ce truc-là et il va faire une polémique dans la presse. Il va écrire un article pour prendre la défense de ce fameux Hermut, Richard Mutt. Je crois que Hermut, je crois que ça veut dire quelque chose en anglais. Je sais pas, il y a un jeu de mots que je saisis pas. Et donc, du coup, en fait, lui, il va décréter, mais si, ce monsieur a fabriqué cette sculpture, qu'il l'ait fabriquée ou non avec ses mains, c'est pas ça important. Le principal, c'est qu'il ait choisi un objet de la vie quotidienne, qu'il ait placé un titre dessus et qu'il l'ait mis dans un contexte inhabituel. Et ça, c'est une œuvre d'art. Donc, Duchamp, quand il révèle que c'est de lui, du moment qu'il a élevé cet objet au rang d'œuvre d'art, par son simple choix, ça fonctionne. Et le pire, c'est qu'il va être accepté de nouveau. Donc, l'entrée de l'urinoir au musée, ça porte pas tant sur la notion d'art que sur les limites finalement de la reconnaissance esthétique et la limite des institutions. Parce que sur le fait de l'importance du nom. L'inconnu Hermut a été refusé, mais l'urinoir de Duchamp, il a été accepté. Et c'est une création qui vraiment consiste en une nouvelle pensée de l'objet. Alors, il y en a plein d'autres, hein. À partir du moment où ils sont rentrés dans les musées, ça a l'air d'être quelque chose de consacré. L'air de Paris, alors ça vous paraît banal aujourd'hui, mais n'empêche qu'il a été un des premiers à faire ça. Alors ça, c'est peut-être un ready-made un petit peu plus sophistiqué. Ça s'appelle un bruit secret. Alors ça, c'est toujours en fait avec le pseudonyme de Richard Mutt. Je crois que ça veut dire bâtard, en fait, si je me souviens bien. Et ça s'appelle un bruit secret parce que Arensberg, pour qui il l'avait donné, il lui a demandé de mettre un objet qui faisait du bruit à l'intérieur, puis quand on le secoue, ça fait du bruit. Mais personne ne sait ce que c'est, ni même Duchamp. Alors, il va prendre un autre pseudonyme qui est Rose, c'est la vie. On voit notre bonhomme, là, en plein milieu, habillé en femme, parce que pour lui, il avait imaginé à un moment de changer de sexe, comme une autre façon de créer un ready-made. Il s'est photographié en femme, c'est Man Ray encore une fois. Ça, c'est une petite eau de toilette qu'il a appelée eau de voilette, belle haleine. Et puis pour la petite histoire, elle appartenait à la collection de Pierre Berger et de Yves Saint Laurent. Elle a été vendue dans les années 2000-2010 à presque 9 millions d'euros. Donc imaginez. Alors, vous voyez, c'est très, très, très différent. Ça, c'est une petite installation. Why not sneeze? Oh, c'est la vie. Pourquoi ne pas éternuer? On dirait des petits morceaux de sucre qui sont en fait des morceaux de marbre dans une petite cage à oiseaux avec un thermomètre posé en plein milieu, un os de seiche qui est sur le côté. Alors ça, c'est aussi un autre jeu de mots, c'est fresh window, ça doit vouloir dire veuve fraîche. Donc copyright Rose et la vie, 1920. Et 4 ans après avoir fait sa dernière peinture, il en fait une dernière. C'est la der des der, ce coup-ci c'est sûr.
parce qu'après, il va vraiment abandonner l'huile sur toile, mais ce n'est pas vraiment, vraiment une peinture. Elle a cette forme un peu panoramique. Pourquoi ? Parce qu'en en fait, elle l'a, il l'avait donnée, c'était une commande d'une de ses amies, une amie, enfin, une mécène de l'époque, et qui était en format comme ça, elle l'avait mis au-dessus de sa bibliothèque. Et c'est une synthèse d'idées du champ. Donc, on reconnaît là, regardez à gauche, on voit l'ombre portée de sa roue de bicyclette, un tire-bouchon, j'en ai pas parlé, à droite, le porte-chapeau. Il y a des vrais objets, il y a des, ça, ce sont des échantillons de peinture. Là, il y a une vraie épingle à nourrice. Là, une fosse qui est peinte. Ici, c'est une vraie... Il a vraiment crevé la toile. Là, c'est un goupillon qui est un vrai objet. On a du mal à voir, mais... Et ici, il avait embauché un peintre d'enseigne pour faire cette jolie petite main. Et sur la droite, ces grands fils-là d'un mètre, là, c'est ce qu'on appelle le mètre, enfin, c'est ce qu'il appelle le mètre étalon. Il est debout, il prend un fil d'un mètre devant lui, qu'il laisse tomber au sol, et en regardant au sol, il va dessiner les tracés des, de ces petits... de ces petits fils. Alors, qu'est-ce qu'il fait ensuite ? Oui, donc, les expérimentations cinétiques. C'est très important. Ce ne sont pas des œuvres d'art pour lui. Je vous avais dit qu'il avait été inventeur. C'est un objet qu'il a inventé, qu'il proposera plus tard au concours Lépine en 1935, pas pour vendre des œuvres d'art, mais pour se faire des sous. Et c'est ce qu'on appelle les rotoreliefs. Ce sont des expérimentations cinétiques. Alors, il est préoccupé par le temps, la vitesse, je l'ai dit, la décomposition des mouvements. L'idée, c'est de faire perdre à l'œil son contrôle. Et la roue de bicyclette, hein, posée sur le tabouret, elle est considérée comme à l'origine de l'art cinétique. Il a fait en 1926 un premier film, et le seul d'ailleurs, qui s'appelle Optical Cinema, que j'ai eu la chance de voir il n'y a pas longtemps, de 7 minutes, où en fait, vous voyez, ça se met à tourner comme ça, et soit il y a des messages qui apparaissent, soit ça fait des espèces de choses qui font un petit peu tourner la tête, et il y a ça pendant 7 minutes. Il appelle ça donc plus tard les rotoreliefs. Et il y a des choses rigolotes qu'il écrit dessus, c'est Ross et la vie et moi, esquivons les échymoses, les esquimaux, les exquis. Esquivons les échymoses, les esquimaux, homo exquis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé juste à la sortie de la guerre ? Drame. On a volé la Joconde au Louvre, mais elle a été rapidement retrouvée. Lui, sa première réaction, c'est de prendre une reproduction, d'écrire la lettre en dessous L-H-O-O-Q, qui à la fois veut dire look, mais qui veut surtout dire qu'elle a eu chaud au cul, mais qu'on l'a retrouvée. Il lui fait une petite barbichette, il la grime d'une petite moustache pour rigoler du côté un petit peu androgyne de la Joconde, de notre belle icône florentine. Alors, il va maintenant parler de travailler en fait pendant 8 ans sur peut-être l'œuvre la plus importante de Marcel Duchamp, en tout cas c'est pour moi la plus importante. Je suis allée la voir à Philadelphie aux États-Unis. Il travaille, vous voyez, toutes ces notes-là qu'il a commencé à faire du temps où il avait du temps et accès à des documentations incroyables à la bibliothèque Sainte-Geneviève et puis à l'école des Chartes. Il a pris des notes pour faire une grande œuvre qui s'appelle « Le grand verre » ou « La mariée mise à nu par ses célibataires même ». Donc voilà, toutes les petites notes, hein, je vous disais qu'il aimait les référencer. Alors ça, c'est une réédition, mais je vous la montre d'abord pour que vous puissiez comprendre en gros ce que c'est. Moi, j'adore. Ça me met en joie. C'est complètement fou. En gros, c'est sa version. C'est une version mécanique, mécaniste des Ménines de Velázquez. En fait, c'est une allégorie du désir. La mariée, elle est en haut, vous voyez, un peu floue, un petit peu évaporée. Voilà. Et en dessous, ce sont ces petits célibataires, les petites moules phalliques. Malik, comme il les appelle, il a fait plein d'études dessus,
Il y a une broyeuse de chocolat à droite. Chaque homme, chaque célibataire a un métier parfaitement inutile et va tenter de convaincre la jolie épouse voilée tout au-dessus. Alors, elle a été brisée lors d'un transport en 1916. Donc voilà, ça je vous montre, c'est l'original. Mais il n'a jamais voulu la faire réparer. Parce que certains prétendent même qu'ils voulaient que ça fasse partie intégrante de l'œuvre. Peut-être qu'il l'aurait fait exprès, mais ça, je ne sais pas. Donc, vous voyez les jolies jeunes femmes de l'époque regardant cette œuvre. Et une autre, figurez-vous que c'est moi, à Philadelphie, en 92. Voilà, donc il est toujours cassé, c'est le même endroit. Et il en a profité pour faire un élevage de poussière, parce que comme il a travaillé dessus pendant 8 ans dans son atelier, ça avait pris la poussière et il avait fait une exposition sur la poussière. Aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une exposition sur un monsieur qui, Saraceno, qui faisait des élevages de toiles d'araignée. Ben, lui, c'était de la poussière. Alors, l'autoréférencement. Cette petite valise, ce petit objet, en fait, ont été édités en 300 exemplaires et à l'intérieur, il a mis ses œuvres en principal. Vous voyez, on retrouve le Riz Noir, l'Air de Paris, on retrouve le Nu descendant l'escalier, la Joconde, le Grand Vert, plein d'objets, les moules Malik. On le voit devant. Alors, Duchamp, il a décidé de faire une exposition. Donc, c'est quelque chose d'étonnant parce que je vous disais qu'il voulait appartenir avec personne, mais il a accepté de faire, de co-organiser, d'être le commissaire d'exposition d'une grande exposition sur le surréalisme par André Breton. Il a même participé à une revue qui s'appelait Le Surréalisme. Et il a fait la scénographie. Donc, ça m'intéresse parce que moi-même, je suis scénographe. La scénographie de ces expositions. Et pourquoi je vous montre ça? À mon avis, c'est super important parce que il va complètement, il est en avance. Je ne peux pas dire ça autrement. Puisque, en fait, c'est déjà de l'installation, c'est déjà du happening. En fait, le happening va apparaître un petit peu plus tard où il y a des expérimentations en direct et des performances en direct. Et bien, lui, il va par exemple plonger tout le public dans le noir. Il y a une toute petite ampoule pour cette exposition et chaque personne va avoir une lampe électrique pour aller voir les œuvres. Donc, imaginez la complexité. C'est pas simple, c'est pas tout. Il utilise tous les sens, il va solliciter tous les sens. Au sol, il y a des morceaux de fougères, il y a de la terre où les gens vont s'embourber. Il met du son, des bruits de bottes militaires et des bruits de malades mentaux, de cris dans des hôpitaux psychiatriques. Il y a des odeurs. Il va mettre des odeurs de café moulu. Et surtout, au plafond, il devait y avoir au départ des parapluies. Il a choisi de mettre 1200 sacs de charbon. À l'époque, on se chauffait au charbon, sale, hein, lourd, au-dessus de la tête des gens qui sont suspendus au plafond. Et il va refaire la même chose, enfin, pas la même chose, mais il va faire dans des galeries à Paris, dans des grandes à New York, des grandes expositions. Alors là, vous voyez, c'est rigolo. Il empêche les visiteurs carrément de rentrer. C'est pas qu'il les empêche de rentrer, c'est qu'en fait, le visiteur, il devient partie prenante du décor. Il doit se faufiler pour aller voir les œuvres. Je regarde s'il y a une question. Non, je crois pas. Donc du coup, c'est révolutionnaire. Et du coup, il est invité plusieurs fois en 1938, en 1942, puis dans les années 60 pour refaire ce genre d'exposition. Donc c'est vraiment les bases du happening. Aux États-Unis, il rencontre, par rapport au happening, il rencontre quelqu'un d'important, un compositeur américain, John Cage. Il est connu pour avoir fait, entre autres, 4 minutes 33 de silence. Et Marcel Duchamp lui aurait dit qu'il avait 50 ans d'avance. Je pense qu'on aurait pu dire la même chose sur Marcel Duchamp. Et d'ailleurs, ça fait pas sans penser à Yves Klein,
qui lui avait fait une exposition du vide. Parce que ne faut pas perdre d'esprit, vu que chez Duchamp, le rien est très, très important. C'est une de ses citations préférées, rien peut-être. Alors, qu'est-ce qui lui arrive d'important à Marcel Duchamp? Ah ben si, il devient citoyen américain en 1955, 40 ans après avoir été là-bas. Et comme métier, il met qu'il est fabricant de camembert. Après tout, pourquoi pas? Il vient bien de Normandie. Alors là, il va faire énormément de sculptures en résine, en bronze. Il va retourner sur son obsession sur l'érotisme. Et il va faire des objets qu'il appelle des objets d'art. Donc, c'est peut-être un tout petit peu plus compréhensible ici. Et ça m'a donné envie de... Attendez, je vais vous revoir. Je vais voir s'il n'y a pas de questions. De voir un petit peu qu'est-ce que c'était sa vie privée. Généralement, je m'en fiche de savoir qui sort avec qui et comment, et qu'est-ce qu'il est. Mais du coup, je suis quand même allée traîner. Il avait une femme qui posait pour lui beaucoup dans les années 10, Marguerite Chastanier. Et cette femme-là, en fait, sans lui dire, elle est tombée enceinte. Donc, il a bien eu une enfant, mais il l'a su 11 ans plus tard, une petite Yvonne, qu'il a rencontrée les deux dernières années de sa vie. Entre 66 et 68, il l'a vu plusieurs fois. Sinon, il a eu une relation pendant 20 ans, mais qui n'était pas vraiment officialisée, avec une relieuse, Marie Reynolds. Je pense que sa relation la plus importante, c'était avec une femme, avec une sculpteur brésilienne, Marie Reynolds, qui était mariée elle-même avec un ambassadeur, donc je pense que c'était quand même plutôt gênant, et qui a été donc pendant 5 ans. Et je pense qu'au fond, elle ne s'est pas engagée. Donc, ça a été peut-être sans doute un drame pour lui et qui lui a donné. C'était un sujet pour sa dernière œuvre ultime. Mais sinon, il s'est marié, il a fait un mariage arrangé de 6 mois avec l'héritière des automobiles Levasseur. Donc, peut-être que c'est une question d'argent, ça a arrangé tout le monde, en tous les cas. Voilà. Et avec sa brésilienne, là, il lui a envoyé, il avait envoyé une réplique de sa petite valise, là, et dedans, il lui avait fait des dessins avec son propre sperme. Donc, c'était quand même étonnant. Je voudrais quand même faire un petit aparté sur les considérations féministes actuelles qu'on a en ce moment, qui sont tout à fait légitimes, parce que ça me fait chier, mais c'est pourtant quand même vrai. On lui reproche une vision négative de la femme. Et lui, il répondra que c'était avant tout une négation de la femme au sens social du terme, c'est-à-dire la femme au foyer, la femme épouse, la femme mère, la femme objet, quasiment. Et c'est vrai que, remettons-nous à l'époque, comment, dans quel carcan étaient nos figés, les carcans figés étaient les femmes à l'époque. Je pense même à ma mère, toute moderne qu'elle pouvait être. Je pense que finalement, c'est lui qui était révolutionnaire et que c'est plutôt contre Picasso qui voudrait retourner ça. Alors, dans tout ça, il va quand même avoir une première rétrospective, mais vous imaginez, 50 ans après ses premières œuvres, ça se passe aux États-Unis, évidemment, en 1964, à Pasadena. Je vais vous trouver une photo. Et c'est en 1963. Donc, c'est un succès inouï, mais tellement inouï, en fait, qu'il va devenir hyper célèbre. Ah oui, alors donc c'était une photo justement de la Marguerite, la maman de sa fille. Alors, grande rétrospective à Pasadena. Et c'est tellement un succès que, en fait, même en France, il va être connu. Enfin, je veux dire, en Europe, dans le monde entier. On va rééditer, parce qu'il faut vous dire que ces premiers objets, là, les ready-made, ils ont disparu dans les déménagements, ils ont été détruits, ils ont été jetés au regard des autres, des gens, c'était juste des objets. Et ils ont été réédités, les principaux, je crois qu'ils en ont réédité 13, en tout cas une bonne douzaine, et il les a tous signés, et ça a été dispersé dans les musées. C'est pour ça que quand vous vous baladez
au fil de vos voyages et de vos musées, vous pouvez tomber souvent sur des œuvres de Marcel Duchamp. Alors évidemment, hein, le mec, il fait des performances. Enfin, il fait un show pour l'inauguration. Donc là, il fait une partie de jeu d'échecs avec une nana à poil. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une artiste aussi. Vous voyez derrière le grand verre, il n'est pas encore cassé. Donc c'est vraiment les tout débuts. Alors il n'oublie pas d'aller à Paris. Hein. Il fait des grands des repas qu'ils appellent les dineros c'est la vie, avec généralement une trentaine de convives qui sont des artistes. Et il y a des procès-verbaux qui sont écrits et qui sont brûlés, mis dans une urne scellée avec les cendres des fumeurs, des cigares des fumeurs du soir. Donc c'est plutôt marrant quoi. Alors sa fin de vie. Ah oui, il donne une grande exposition, interview en 1968 à la BBC, donc consécration finale. Et vers sa fin de vie, curieusement, il va revenir à des dessins beaucoup plus classiques, des nus toujours, où il s'inspire de Courbet. Là, on le voit là vieillissant devant le maître étalon, là. Ses grands fils, et ben il finit par mourir. Hein. Alors c'est dingue parce qu'il est mort juste au moment où moi j'apparaissais en 1968. J'aurais bien aimé le rencontrer, mais bon. Et il est enterré avec sa famille, ses cendres en fait, pas enterré. Il a mis ses cendres dans le caveau familial au cimetière monumental de Rouen où je suis allée, bien sûr, avec toujours évidemment cette petite marque d'humour. D'ailleurs, c'est toujours les autres qui meurent. Eh bien non. Donc mon cher Duchamp est mort en 1968. Mais à votre avis, il se passe encore quelque chose? Eh bien oui, parce qu'il a travaillé pendant 20 ans sur une autre œuvre pour le Philadelphie, une œuvre dont il avait interdit de la montrer au public avant, il fallait attendre un an après sa mort. Ça a été sorti, donc la voilà, pam pam. Alors pour ceux qui ne l'ont jamais vu, en fait c'est un volume. D'un côté, il y a une porte, c'est un gros volume immense, en fait, comme une demi-pièce. D'un côté, il y a une porte, puis derrière, on voit pas. C'est une espèce de, comme une espèce de grotte fermée. Et on regarde cette porte, il y a des petits trous, mais on se penche et on voit quelque chose à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit cette personne-là. Voilà. Et c'est elle, c'est suite à son amour, en fait, non partagé en tous les cas du fait que sa brésilienne ne s'est pas engagée avec lui. Il a appelé cette œuvre étant donné 1. Le bec d'éclairage, 2. J'ai oublié. Attendez, est-ce que je l'ai? La chute d'eau, voilà, derrière il y a une chute d'eau. Alors c'est un, étant donné, un, la chute d'eau, deux, la truc d'éclairage. Et il y a un artiste en 1991 qui a fait le recto, le verso de cette œuvre. Donc en fait, il a fait le contraire, il a fait ce qu'on ne voit pas. Donc qu'est-ce que c'est au fond cette œuvre? C'est une œuvre, c'est vraiment pas une allégorie de l'amour hédoniste, hein. Non, pas du tout, quoi. C'est toujours. Il appelle ça un environnement, hein, c'est pas une installation, il appelle ça un environnement, et c'est pour placer le public, le regardeur, en position de voyeur, ce qu'il avait dit d'ailleurs au début de quand il était contre l'art rétinien, où il disait que c'est le regardeur qui fait l'œuvre. Voilà. Donc quand même, il faut attendre 2014 en France pour avoir la première rétrospective de Duchamp à Paris. Au centre Pompidou. Et grâce à vous, grâce à lui, grâce à tout, don't forget Marcel Duchamp. Et je ne voudrais pas terminer cette conférence sans dire que Arturo Schwartz, c'est un monsieur qui a fait un catalogue raisonné de toutes ses œuvres. Il n'y en a pas tant que ça, je les ai toutes regardées finalement, mais c'est incroyable qu'il ait laissé. Comme un philosophe finalement sans le savoir, qu'il est tellement influencé tous les penseurs de toutes ces époques. Et puis je voulais vous lire quelques petites citations
Alors, c'est le regardeur qui fait le tableau, je vous l'ai dit. Le grand ennemi de l'art, c'est le bon goût, vous le savez aussi. Le mot est un galet usé qui s'applique à 36 nuances d'affectivité. Le titre est une couleur apportée à l'œuvre. On peut être artiste sans être rien de particulier. Peut-on faire des œuvres qui ne soient pas d'art? Vous le savez. Je crois que j'ai fait de ma vie une œuvre, tout simplement. Rose, c'est la vie et moi, esquivons les Ecchymoses et les Esquimaux, mots exquis, ou si vous connaissez. Faut-il réagir contre la paresse des voies ferrées entre deux passages de train? Celle-là, je l'adore. Il n'y a pas de solution parce qu'il n'y a pas de problème. Ça, j'en ai fait un petit peu mon histoire. Et puis évidemment, le fameux « rien peut-être ». Donc, merci Marcel Duchamp. Juste terminer par une petite anecdote, parce que justement, quand je suis venue vivre à Paris, dans le 13e, donc chez un monsieur d'ailleurs qui assiste à la conférence, à côté de la rue du Château des Rentiers, existe une rue qui s'appelle la rue Marcel Duchamp, et c'est la seule rue à Paris, enfin en France, qui a été choisie par ses habitants. C'était en 1994, il y avait une querelle parce que les héritiers de Maria Callas n'arrivaient pas à donner leur accord. Et donc, du coup, c'est plutôt drôle que cette rue soit née juste à côté de là où j'ai fait mes premiers pas à Paris, sur les pas de Marcel Duchamp. Donc, je ne sais pas quelle heure il est. Oh, on a 2 minutes pour parler. Donc, voilà, si vous voulez remettre vos micros, je ne sais pas s'il y a des questions de la part... Ah, c'est Jeanne qui m'a dit que Armut en allemand ça veut dire pauvreté. Ah, ben voilà. Mais Hermut, je me suis demandé, je ne sais pas si quelqu'un me parle anglais, si ça ne veut pas dire vagabond, quelque chose comme ça. Voilà.